Vous avez quand même rêvé d'un instrument pour jouer votre homme au piano?
À la fois oui et à la fois jamais. Je rêvais bien entendu d'un clavicorde capable de son doux et fort, pas assez puissant. J'ai essayé d'installer des sautereaux pinçant les cordes plus près dans les clavecins, de façon à donner plus d'énergie, mais la sonorité était bien trop dure. Il fallait mettre au point un instrument capable de faire chanter la musique et sur le même clavier. Tout ça a été extrêmement compliqué. Piano et forte, c'était la grande question. D'où le piano forte? Alors, bien entendu, j'en ai rêvé, je l'ai espéré. J'ai travaillé avec Silbermann, mais j'étais bien loin de m'imaginer qu'un jour, on pourrait avoir un tel instrument avec des sons qui, parfois, sont capables de rivaliser avec ceux d'un orgue dans une cathédrale. Et puis, soudain, c'est le murmure d'une flûte. Et l'instant d'après, ce sont les grandes cloches qui sonnent. Comme à Lübeck. La vie de mon enfance, comme à Lübeck. Le piano. Quel merveilleux instrument. Finalement, en intitulant vos compositions pour le clavier, vous avez vraiment été visionnaire, monsieur Bach. C'est cela, c'est exactement ça. J'ai écrit pour demain, pour le futur. J'ai toujours été visionnaire. Et finalement, j'ai écrit pour vous. J'ai réussi même plus que je ne l'espérais. Enfin, continuons. Alors, la 11e variation est une étude virtuose à deux claviers, avec deux idées distinctes, des imitations entre les deux mains, des croisements d'arpèges à la scarlatine. La variation 12 est un canon affirmé, révoltant, avec des basses soutenues triomphales. Ces fameuses basses dont nous parlions tout à l'heure. La variation 13 est une sarabande. Ah, la sarabande. Qui est glissée là, les prémices de ce que plus tard on appellera le bel canto. Vous savez, ce chant sinueux qui sera le triomphe du romantisme. La toccata de la 14e variation, brillante et virtuose, claque dans l'air, incisive, rapide, avec les croisements de mains très, très, très éloignés. Profondément.